prédication de la parole de Dieu, c'est une occasion nous gagnons pour nous capables de manger ensemble la parole de Dieu. Nous remercions avec Dieu d'abord, il me met là, et nous avons mis si vous le matin à soi. Mais bon Dieu, il rend grâce là. Et nous remercions aussi les dames de l'Église qui fait nous invitation pour asseoir. Nous invitons l'Église là, oui, publie, ensemble avec nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3e verset. Nous sommes capables de lire comme ça. Ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Appel à la sanctification de l'Église. Appel, c'est attirer l'attention d'une personne sur un fait, un sujet, soit par la parole ou par un geste. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Nous devons poser la même question, nous avons dit, mais pour qui ça nous besoin attirer attention à l'Église là? Pour qui ça nous besoin fixer le regard de l'Église là sur la sanctification? Nous avons dit que c'est parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas voir mon Dieu ni à présent ni dans le futur sans la sanctification. Nous avons dit encore, c'est parce que l'Église a tendance pour lui parler à voix basse de la sanctification du péché dans l'état actuel, mais elle a parlé de la délivrance, elle a parlé de la prière, elle a parlé de miracles, elle a parlé de bénédictions matérielles, il fait ça à haute voix, il fait ça à porte ouverte, il pour tout le monde qui attendait. Mais quand il s'agit de ranger, poser au bout et capable de rentrer dans le ciel, l'Église l'a fait ça, mais d'une façon en cachette. C'est comme si disait son mal. Il a dit une autre raison, c'est parce que la sanctification, c'est pas un gars en grosso modo. La sanctification, il rentre dans la vie courante. L'y rentrer dans la vie quotidienne de l'Église là. C'est-à-dire que sanctification, l'y rentrer dans tout détail dans la vie. Après, ce qui intéresse nous dans le texte, c'est le mot impudicité. L'impudicité, nous pas partir, c'est un sac qui remplit. C'est un broom qui remplit un package. En dedans qui soit loin nous-mêmes. Tout péché qui a rapport avec la sexualité, tout péché qui découle de la sexualité, eh bien, on est dans ce sac-là, et puis on marque ce sac-là, impudicité. L'impudicité, alors le péché en général, l'incapacité pour lui détruire nous, l'incapacité pour lui ravager la vie nous. Nous sommes en période cyclonique. Si on annonce actuellement par ta parole de cyclone qui va le passer, tout le monde qui l'a couru fait des préparations qui sont nécessaires et tout le monde est mort qui force. Il y a des cyclones dans le site, tout le monde, il y a crasé caille, il y a couillé monde, il y a fait gros travail. Tout le monde prend des précautions pour ne pas mourir dans ce cyclone. Non. Alors que le péché est plus dévastateur. Le péché est plus de super et bien que cyclone. Et pourtant, les regardez, vous voyez que les gens n'ont pas peur de péché là. Ils n'ont pas de problème avec elle, ils ont dormi avec elle, ils ont mangé avec elle, ils ont couché avec elle, ils ont marché avec elle, ils ont promené avec lui dans la machine, ils ont passé. Alors, nous regardons ensemble. Comment pécher qu'à détruire sur le plan physique et comment qu'à détruire sur le plan spirituel. Le péché, mon frère,
pour ma soeur, lui gagne une capacité et bien pour lui mener nous sur le plan physique vers la tombe, vers et bien cimetière. Péché est capable et son poison lié, l'épidicité son poison. Lui a tout et nous en petit feu. Ça, sans nous pas rendre compte, et bien impudicité, ça le fait, il y a brûlé, nous l'a mangé nous, jusqu'à ce que, et bien tout est nous, détruit nous. Qui ça diable à lui-même, à la manière de l'impudicité, puisque et, la sexualité, lui tellement une importance totale, capitale, diable à lui acheter ça. Il fait gros investissement là-dedans. Et c'est un non-péché qui fait des mondes publics. Je dis à le péché sexuel, là de mon appel. Diable, lui connaît quoi nous c'est caille pour Dieu. Diable, lui connaît la Sainte Écriture comme ça. Lui connaît c'est la danse de l'Esprit de Dieu, lui habiter, c'est la danse de demeurer. Et c'est ça qui fait la paix, tout ça qui dépend de lui, et bien pour lui manger, quoi, pour lui détruire, quoi. Pour lui rendre quoi invivable par rapport avec cet esprit, où cet esprit a couru et bien l'abandonner quoi. Et il y a eu un sec, il y a eu un sec ça, et la mort religieuse. La mort religieuse, c'est un sec carnivore et vorace. Ça le fait lui-même, les secs mal là venus. Pour accoupler avec elle, et bien pendant cette mal-là, il a pris la plaisir sexuelle, il a accouplé avec elle, ça fait lui-même, il commençait à manger et cette mal-là. Ça veut dire que diable a fait ça le fait. Pendant qu'il a pris la plaisir sexuelle, sans rendre compte, et bien plaisir sexuelle a dit tous dans le corps, et puis diable a dit, vous savez, l'a mangé ou, l'a mangé, il s'est ruiné ou. Le péché sexuel, il est capable maintenant d'aller en bataille. Ou capable d'attraper la maladie sexuellement transmissible. Tant que le sida, qui est capable de manger tout système défensif. Et puis, l'homme reconnaît tout, vous couchez dans ses cailles, vous regardez 10 autres. Et vous êtes des hommes à 4 heures d'après-midi, vous allez enterrer. L'idée suivante. Et ça qui fait la pile, mais nous garde contre l'impudicité. Parce que l'impudicité va détruire nous. L'impudicité, n'est pas capable d'être quoi. Par exemple, une jeune fille qui a une relation sexuelle à bas âge, qui a une possibilité pour lui attraper sa nouvelle cancer du col de l'utérus. Parce que le col de l'utérus n'est pas prêt pour recevoir des frappes. Et bien, puisque le virus est ma foi avant le lit, il y a une possibilité pour le développer un cancer. Et vous prenez cancer, et bien, puis voir mon père cancer, c'est dans six messieurs, il y a allé. Ça veut dire que un petit de là, il a mangé nous. Il rend que, et bien, des mounes, ils ont pratiqué, et ça nous est l'avortement. Et au sein de l'église, il y a des gens qui ont mené dans des pratiques, ça, il y a qui ont pratiqué, ça nous est l'avortement. Ils ont avorté. L'avortement, c'est un péché, puisque l'avortement, c'est un assassinat lié. C'est un monde où tout vient, où vous planifiez pour tout vient, qui entend. C'est ça l'avortement lié. Et non seulement, on en fait ça, mais avortement tout, il y a l'un stérile. Parce que dans la pratique avortement, on peut faire une infection qui ne peut pas aider et qui rend stérile. On peut pas faire petit. Et puis lorsqu'on est marié, on cherche un petit mariage petit. Parce que j'ai fait trop avortement, et bien avant que vous entrez dans le mariage. Mais vous n'avez pas ça à cause de tout le monde. On gêne, on va prier, et bien des oreilles pour Dieu. Et pourtant, c'est vous déçus. L'impudicité capable de faire ça. L'impudicité lui conduit à l'adultère. Et l'adultère, c'est un péché
comme toute bande péché qui existait, l'adultère qui a tué. Comment l'adultère qui a pas tué? Eh bien, il y a un monde qui a pratiqué l'adultère, qui a une possibilité à vous la pratiquer l'adultère. Si c'est une femme, eh bien, pour mari femme ça, faire tout elle. Si c'est un garçon, eh bien, pour madame garçon ça, il fait tout elle. Quand tout le monde qui mourit comme ça en adultère, c'est Marie qui l'a fait tout elle. C'est madame qui l'a fait tout elle. Parce que la pratique, eh bien, l'impudicité. La Bible, il mettait l'église en garde. Pour l'église, il fait très attention. Si vous attendez l'histoire de David Bathsheba et lui, c'est l'adultère qui menait la mort du soldat Uri. Parce que les David fit commettre attaque, Bathsheba tombait enceinte et David a essayé de cacher sa fille pour taper Uri occupé petit là. Et pendant qu'il est sous champ de bataille, il voyait chercher Uri. Il dit, mon chapeau, on dispose pour entrer la caillou. Ah, je vais madame, ça fait longtemps, nous d'ailleurs. Parce qu'ils allaient à combattre les fils d'avant, les Amorites. Ils lui ont fait ses bruits, même pas la caille. Il était là pour parler. Il passait le temps là, avec son d'ailleurs. Il va aller. Les rapides soient adressés à un coup. Ils font fête. Et en fait ça, il va plus à l'alcool. Il lui brûle. Mais il se passe. C'est comme si c'est sous, il s'est cadré en vivant, il voit la caille. Et s'il veut la caille, il voit coucher à dormir, et puis petit ça, pour attendre, il va prendre ce petit lit. Il s'est allé. Et David de ça, il dit, il m'a traité deux jours encore. Il m'a voulu retourner sur le champ de bataille là. À joindre toi. Il a eu comme ça, et il était. Et David Coulette. Et là, il dit, Joab, c'est Iri, côté bataille là, piment comme ça. Et c'est Iri même tout le là. Et au place il lui bataille la piment de mer, il lui tombe et il lui bouge. Donc on tout ça qui fait dans le cas qui passe là, petit David couché à petit David, c'est pour Dieu pour le Seigneur humain sous ça, petit David lui tout et l'autre. Bon Dieu, il n'y a pas quitté ça infini. C'est ça qui fait à ce là, où est-ce que tu es pour que l'impudicité n'y a pas de suivre. L'impudicité. Mon frère, il est capable de tuer, il est capable de détruire. Le divorce qui adultère, il est capable d'engendrer divorce, il est capable de causer divorce, et divorce là, il est capable de tuer. Tout le monde qui divorce est une cicatrice. C'est comme si on était opéré, on a toujours un mac. Et bien, mon divorce, c'est pour ça, il a toujours un mac sous lui. Et ma salle a changé. Eh bien, vous êtes capable de frapper un adultère. L'imène, il y a un divorce. Divorce, ça nous cause la maladie. Et qui mène en bataille. Vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de faire attention. Tout l'autre type de maladie. Et puis, c'est l'autorité. Vous allez à cause des soucis. Soit mari ou soit madame. Ça fait la Bible, mandez pour nous faire très attention. L'impudicité est capable d'enlever la virginité à laquelle jeune fille est capable de rendre une perte virginité. L'impudicité est capable de modifier, eh bien, c'est où? Comment est-ce qu'elle va modifier, c'est où? Puisqu'elle va pratiquer l'impudicité. Et avant le mariage, le débat sexuel que vous considérez comme la fornication. Eh bien, non, vous l'avez fait, c'est comme une belle fois. C'est bien, vous venez casser vous. Et pour vous, vous rentrez dans le lieu du mariage. Mais, c'est au paraître comme une maman qui a fait des 5 petits d'ailleurs. Eh bien, c'est l'impudicité qui la cause. Ou bien qui la cause. Quand les mariages sont arrivés. L'impudicité qui a crasé le mariage là. Comment elle a crasé le mariage là? Eh bien, une jeune fille qui t'a mené une vie sexuelle active en dehors du mariage, eh bien, quand il y a la fille mariée, eh bien, il y a plusieurs cas qui ont présenté. Plusieurs cas.
Et parmi nous, nous avons qui a présenté des problèmes d'insatisfaction sexuelle qui a causé. Il y a avant, lui-même, ils sont morts qui ont fait 10, 15, 20, 20 minutes de leur rapport sexuel, il n'y a pas de problème à ça. Mais le point de marier à un jeune homme, et bien qui sont nouveaux, et jeune homme même de 3 minutes à l'alphaouni, et bien il est insatisfait, et insatisfait sur ça, ou à cause de soumis à la débouche. L'impudicité, détruit en pile mariage. Déjà. Et ça fait, la Bible demande pour nous fuir l'impudicité. C'est pour nous courir l'impudicité. Si l'impudicité a enveloppé nous déjà, et bien c'est pour nous camper, pour nous combattre, pour lutter, pour nous avoir délivré nous en mal. Parce qu'elle a détruit nous, la mangé, la brûlé nous. Sur le plan. La Bible demande pour l'Église vivre. Une vie sincère. Pour l'Église, mener une vie à part. Pour l'Église, mener une vie sanctifiée. Pour l'Église, marcher dans la sainteté. L'impudicité, non seulement elle est capable de suivre sur le plan physique, mais l'impudicité est capable de suivre sur le plan spirituel. Comment elle est capable de suivre sur le plan spirituel? Tout d'abord, sur le plan spirituel, l'impudicité l'éloigne de Dieu. Selon Hébreux 12, 14. L'éloigner, parce que l'idée que, eh bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et bien, puisque on a pratiqué l'impudicité, eh bien, on ne peut pas sanctifier ou pas carrément mon Dieu. Et puisqu'on ne peut pas carrément mon Dieu, ça veut dire qu'on est loin de nous. Parce qu'il y a une conséquence, l'impudicité, sur le plan spirituel, l'éloigner de mon Dieu. Et au moment, une personne éloignée de Dieu est une personne sans défense. Tout mouton, toute brebis qui est éloignée de pâturage là, qui est éloignée de la GA, eh bien, son brebis qui s'en défense. N'importe qui est ennemi, il est capable d'emporter et aller avec lui. Un seul moment de lecture dans la vie spirituelle, eh bien, il suffit pour ruiner tout fil. Je dis à un pire homme qui était dans le campé pour la parole, mais qui ne peut pas faire encore. L'impudicité va y aller. L'impudicité, mais si vous croyez dans le chose, il n'y a pas qu'à parler en public encore, mon Dieu, à cause de l'impudicité. Mes frères, mes amis, eh bien, quand un chrétien, il persiste dans le péché, eh bien, ça arrive, eh bien, c'est la mort qui a suivi. Tout d'abord, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique qui a suivi. C'est un jeune garçon, il s'est rendu dans l'église, ensemble avec pas mal. Et puis, c'est bon jeune janvier. Les jeunes gens viennent de l'église, c'est un janvier. Vivent l'église à la foi. Mais c'est jeune janvier. C'est l'emblée sexuelle. C'est la l'agricole. C'est la science du bien. C'est l'absence de la laisse. Et puis monsieur, l'agricole, l'emblée sexuelle. Le papa monsieur, relève-le bonjour. Papa monsieur. Je ne peux pas te m'appuyer pour vous aussi. Parce que le marché dans le poids. C'est bien là-bas, il n'y a pas fait rien. Pas fait rien. Papa, tu es bloqué. Puis c'est comme s'il y a un marché dans une femme. Et l'homme qui frappe par l'impudicité, a bien que nous parlions de l'impudicité, c'est péché sexuel. Eh bien, il vit sous dépendance sexuelle. Et le dépendance sexuelle, ça, il est capable de continuer vers la destruction. Et puis, monsieur, il continue. Et puis, dans la chère femme, il est rencontré à l'autre. Et monsieur est malade, gravement malade. C'est ça, le samedi, papa, j'ai parlé, si je ne peux pas, je dis à, il va t'approcher là. Papa dit, monsieur, papa, si c'est là. C'est ce que vous avez fait. Et puis c'est oui, par la suite. L'impudicité pour y aller dans le pays de Saint-Jean. L'impudicité, lui, eh bien, éloignez-nous de Dieu. Une personne qui a vécu dans l'éloignement de Dieu, son cadavre en vacances, son bois a flamé, sa cagnotte à balle, à l'époque, pas le moment. Là-bas, il vous fait ça et là, et puis il entre là-dedans.
Et puis cimetière, tête droite, il parlait du cimetière, parce que l'implicité, la Jésus. Le médicité, c'est le pas spirituel. Il y a une personne qui rentrait, puis qui a mené une vie sexuelle. Eh bien, lors des relations sexuelles, il y a des échanges, des fluides, l'envoi de la liquide, et il y a un partage du fait de l'esprit. Il y a une personne qui a marché, couché à ton monde, et bien ça le fait, et bien partager l'esprit qui souligne à l'autre monde. Ça veut dire que si vous couchez à tout le monde, vous serez possédé par la démon, et bien partager le démon, ça y a peur. Et ça ne va pas comprendre. Ça dit que démon par la mort, ou pas qu'on dit que le monde est suivi. Ou qu'il va saisir. Eh bien, démon qui est suivi, c'est des démons qui est mené, ou avoir des démons qui est sponsorisé, qui patronné l'indianisme. C'est l'autorité ou un moulin. Il y a des garçons, un moulin, ouais, c'est femme qui est réalisée. Eh bien, marcher, coucher, et bien, rencontrer l'esprit qui patronnait les établissements et les vénitiens. Demain, pour, eh bien, ça le met Massissia, dans le créole là, c'est le Massissi, dans le créole là. Homosexuel, quand on dit homosexuel, y compris les femmes et les gars, hein, pour garçons, hein, eh bien, et catégorie des moussaillots, eh bien, et moussaillots, il y a même envie de garçon à garçon. Garçon à garçon, bien vous qui dit la Bible, pas dire rien sur ça. À regarder Romains 1er, sorti verset 24, à continuer. Ou la Bible, elle parlait de ça. Il parlait de ça. Des filles qui ont pris une action. Bon, c'est quitté, on a égaré moi. Garçon qui est pas en chambre, les garçons. La Bible parlait de ça. Bon, jeune fille, ça va coûter. Pendant que dormir, eh bien, l'Iwel, ton cheval, qui vit vivre avec dans la sexualité, au cheval. Et depuis là, ils ont une bonne réflexion sur lui. Par contre, quoi, il y a une ambiance qui était l'église. Il était l'église qui était l'église. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, entre une réaction sexuelle, c'est physique, là, mais il y a une spirituelle à faire, ou pas connaître, ou pas rendre compte de ça. Et c'est ça qui fait, nous-mêmes, avec les chrétiens, nous devons éloigner nous de l'impudicité pour qu'il nous pas suivre sur le plan spirituel. Il y a des esprits qui sont capables d'attraper lors des contacts sexuels dans l'impudicité. Eh bien, ils sont capables de rendre sérieux. Ça veut dire qu'on est capable. Et vous quelle dignité, mon paquet de mon Dieu. Parce que quelqu'un me dit qu'il va te faire mon Dieu et doit tomber sous vagabond. On voit d'avoir habillé dans l'église, il t'a marché pour femme. Et vagabond, ça, son vagabond qui possédait. Et qui est rentré au train à Kala, ou à vivre la sexualité avec leur fille mariée. Et bien, puisqu'on va sous mon Dieu, c'est l'église, c'est les hommes qui ont arrosé. C'est ça qui nous a fait le vote. Et vous prenez, n'est-ce pas? Et c'est garder, ou garder, ou vivre contaminé. Les médicités, ils contaminent les mouns. Sur le plan spirituel. Il rend, eh bien, et Moussa, Kelvin, et pas spiritualité, vient tomber en piqué façon, vient tomber en cousure. Jésus dit ça à Matthieu 15, 19. C'est du cœur et vient les mauvaises pensées. Le maître, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Jésus dit ça. Ça veut dire que monde qui a vivre n'empêche rien. Que la spiritualité pourrie, toute œuvre, la version de œuvres pourrie, elles sont dans le cœur, Jésus. Et ça, c'est fait pour moi. Eh bien, l'impudicité, l'enlever grâce, quitter l'envoi, et puis laisser au vide. Au vide, tant qu'on s'en parle, ou à faire oui, mon parent est en dehors. C'est ça l'impudicité à faire. Et, vers le final là, c'est parce que, mon temps pratiqué, l'impudicité, il n'y a pas de rentrer dans le monde de mon Dieu. C'est ça le plus difficile. Seule chance, c'est conversion. C'est ça la plus difficile.
mon frère, ma soeur, Zambie, peut-être qu'il a à soi-là, qui attendait nous, jeune garçon talent, jeune fille, et qui église, mais du côté du Yopekwal, nous voulons dire à soi-là, l'impudicité, nous voulons dire à soi-là, les péchés sexuels, il y a des filles sur le plan physique, il y a mangé quoi, il y a détenu quoi, il y a voulu aller dans le cimetière. Et non seulement ça, il y a mangé, parti sur le il y a mangé l'amour, il y a détruit l'amour, ou pas qu'à le contraire à mon Dieu. Eh bien, à ce moment-là, vous avez besoin de combattre l'implicité. Combattre l'implicité, c'est pour vous l'implicité qui est enveloppé. À des gens qui vivent même si ça même, il va courir pour l'implicité, parce que l'implicité a la caille déjà. C'est combattre pour combattre. Et bien, Jacques dit ça. Jacques 4, verset 7, il demande pour résister. Et mon implicité, comment vous pouvez faire l'implicité, il a couru pour l'implicité, l'implicité a fait ce tout, l'implicité a vu l'offre sexuelle, l'implicité a posséri, l'implicité a vu l'offre bonbon, il a couru pour lui. Mon frère, ma soeur, on a terminé sur l'implication ça pour dire, et bien non, monsieur a marché pour mettre des sacs malhonnêtes. Et à chaque fois, la commune des Albanais, il était toujours un avocat, toujours à l'Espagne. Et avocat, il était toujours sorti à des négociations. À chaque fois, avocat a gagné un procès, il était toujours un petit monsieur. Pour qu'ils soient pas quittés pour attirer ça, pour qu'ils soient laissés, j'en ai fait ça. Eh bien, monsieur, pour attendre l'avocat, il était consigné. Un jour, il était commis tout crime. Il est l'avocat. Avocat dit monsieur, eh bien, on connaît un devoir. C'est le tribunal là, nous avons rencontré. Le monsieur du tribunal là, il faut avoir avocat. Il y a un bon temps, et il était sauvé. C'est le juge là qui a rentré. Le monsieur a dit, il m'a dit qu'il était avocat là, c'est le juge. Monsieur, juge a pris la parole. Disait, quand tout ça va mener, quand tout ça fait, monsieur dit, juge là, et bonne chance. Monsieur dit, non, je dis à ma avocat, je ne pouvais pas aller, je ne vais pas entendre, je dis à, je vais en prison. Au bas de la soupe. Dans mon bonheur, je suis avocat au niveau de Dieu. Tout sort fait, tout est fait. La défense, il défend. Mais bonjour, je suis imposé pour l'avocat avec un juge la soupe. Les arbres sentiers, la page de justice et les arbres car. La condamnée, la magie avec équité. Il prend des chances pour encore. Chance, c'est à toi pour répentir. Après une pandémie, pour répentir, pour répentir. Et si vous voyez possible, eh bien, pas de chance encore. Si mourir, sans la réponse, eh bien, grâce vous. Dans le temps de faire des soucis. Tandis ça, le péché des soucis. Tandis ça, l'impudicité, les captures, la tuer voir physique, la tuer voir spirituelle. Sanctifiez-vous, frère, sanctifiez-vous, monsieur, sanctifiez-vous, pour ça, parce que tout va sanctifier vous, pour pas qu'un qui a envoyé mon Dieu. Son nom a dit, tandis ça bien, qu'est-ce que ça n'a fait, qu'est-ce que ça bien fait, saint bien, mon frère, saint bien, ma soeur. Ça, vous savez, pour vous, c'est que vous m'avez une vie de sanctification. C'est ce que nous allons dire, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, vous souvenez, 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 vous Et je vous remercie, vous m'avez donné plus.